Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, un let's play Pokémon Ultra Soleil. Bon, vous m'excusez pour ma tête, je viens de me laver les cheveux, c'est pas très grave. Et du coup, on s'était arrêté là, voilà. Dis Hello, est-ce que tu as envie de grandir le plus tôt possible? Oui, j'ai hâte d'être adulte, si tu veux. Là on venait de finir l'épreuve. Et on allait, du coup, hop, on va faire Motisma. On allait retourner, je sais plus où. Mais j'ai lu un truc, j'ai lu que mon Chrysapile pouvait évoluer en Lucanon au Mont Ardent, apparemment. J'ai vu ça dans les commentaires. Donc écoutez, on va essayer. On va essayer, donc je vais juste... Ah, attendez, il y a un dresseur juste là. Je vais juste regarder, là, hop, on va prendre Chrysapile. Hop. Est-ce qu'il va bientôt évoluer? Attendez, je vais regarder son niveau un petit peu. Parce que s'il va bientôt évoluer, du coup, on va peut-être pas l'utiliser. On va l'utiliser juste au Mont Ardent. Faut juste que je regarde. Ok, on peut l'utiliser un petit peu. C'est bon. Donc, on va faire le combat là contre ce dresseur qu'on n'avait pas fait. Excuse-moi. Voilà, je n'avais pas envie de faire le combat contre moi. Mais c'est la canne à pêche de Nefi. Ok. Ouais, si je peux le faire évoluer au Mont Ardent, c'est bien, quoi, parce que, du coup, pourquoi pas. Ça serait beaucoup plus tôt et ça serait plus sympa. Un Barpo. Bon, du coup, je suis bien avec mon Chrysapile, là. Alors. Hop, étincelle. Il fait fléau. Bon, ça ne fait strictement rien. Et moi, étincelle, c'est extrêmement efficace. Il est KO. En one shot. Très bien. Léviator. Non, on va rester sur lui. Allez, soyons fous. Très sympa sur Léviator. Intimidation qui baisse mon attaque. Et on va faire acrobatie. Grimace. Ça va. Ok. On va faire étincelle. Oula. Ouragan, ça va, ça fait pas très mal. Ok, bye bye Léviator. En plus, un coup critique. C'était bien sympa. Oh non. Je voulais pas qu'il évolue tout de suite. Oh là là, du coup, ça va être un peu plus relou. Bon, c'est pas grave. Ok. Attendez, il a gagné trop d'XP d'un coup, là. J'ai pas compris. Du coup, je vais juste voir où c'est le Mont Ardent. Hop. Alors. Le Mont Lanakila. Ah, c'est là, le Mont Ardent. Bah, on va y retourner. On va tenter de faire évoluer d'un niveau. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est vrai. Ce serait cool. Hop. Lui, on ne devait pas venir le voir. Non. Il y avait un mec qu'on devait venir voir quand on avait fini tous les combats, mais je crois que c'était il y a longtemps. Ok, alors le centre Pokémon. Bah, ensuite, on a un rendez-vous en haut. Donc nous, on va vite fait faire un petit détour au Mont Ardent pour voir un petit peu pour Lucanon. Parce que ça serait cool quand même. Ok. Tout le monde est soigné. Alors. Ok, donc je pense qu'on va prendre Tauros, là. Je pense que le Mont Ardent est par là. Est-ce que j'y suis, là? Attendez, je regarde. Si je suis loin du truc, je pense qu'il faut que j'aille comme ça. Je pense que ça devrait être... On va voir. Je vais voir ce que ça peut donner. Oui, je pense que par là, c'est bon. Ça, c'est le Mont Ardent, là, c'est bon. Route 12. Non, toujours. Bah, route 12, le Mont Ardent, il est sur la route 12. Ah oui, merde. C'est Bourinos. J'étais là en train d'essayer de passer, là. Ok. Attendez, j'ai envie d'aller au bon endroit. C'est pas en haut, là? Je crois que c'est là. Ah, c'est là. Ah ok, je les ai pas fait ces dresseurs là en plus. Ok. Bah du coup on est bien, on va commencer avec Chrysapile. Hello.
Je suis un homme d'affaires, moi. Allez, montre ton chéquier. Ok. C'est bizarre qu'on n'y soit pas encore, qu'on n'ait pas été guidé vers le mot ardent. Est-ce que c'est plus tard qu'on doit y aller après dans l'histoire ou est-ce que pas du tout? Je sais pas. Dinavolt. Bon, j'aurais préféré un Pokémon de type eau, je t'avoue. Ça aurait été plus sympa pour le Chrysapeel. Alors. On va faire acrobatie. Morsure. Ok, c'est pas efficace du tout. Vraiment, je revois mes types. Hein. Machouille! Oh, ça lui a fait mal ça. Ok. Ok, c'est bon. Fini Dinavolt, bye bye. Très bien. Vas-y, gagne de l'XP, là, faut que t'évolues là. Electek. Non, non, on continue sans changer, faut le faire. Faut le faire XP là. Plécroix. Je vois un peu ce que ça donne. Oula! Pas mal! Ah, ça fait pas mal de dégâts, Plécroix! Ok. Et c'est bon. Allez, dis-moi que j'ai beaucoup gagné d'XP là, voilà, 1000. Très bien. Même Bourinos monte au niveau 36. Et on a battu Javier. C'est très bien. On continue comme ça. Ah! C'est quoi ça? On est où là? Centre géo. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Tu sembles s'intéresser à Bourinos, d'accord. Pokémon type électrique qu'on n'avait jamais vu auparavant vient ici. D'accord. Bon, en fait, il n'y a rien quoi. Ok, une chronoball. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc ici, mais qu'on n'y a pas encore accès, vous voyez. Non, non, pas du tout. En fait, on peut juste faire une photo. D'accord, il n'y a rien ici, en fait. C'est nul. Ok, c'est vraiment nul, mais du coup, on va essayer de faire évoluer notre... Pierre Soleil. Ok. On va essayer de faire évoluer notre Chrysapeel ici, hein. Bourri... petit boudet. Je vais dire bourri, non. Putain, j'aurais kiffé que ce soit shiny, là. Alors... on va faire Plécroix. Soyons fous. Voilà. Bon, pas ouf. On va faire Machouille. Peut-être que ça sera plus assez... Oula. Il se concentre, il va envoyer la sauce. D'accord. Envoie pas la sauce. Oh non. Je savais qu'il allait dire ça. Envoyer la sauce. Non, Chrysapeel, tu dois évoluer. Oh là là. Relou. Je vais devoir gâcher un rappel là. Bon, ça va, j'en ai plein. Parce que du coup, sinon il a pas d'XP. T'as tout ça pour le faire évoluer en Lucanon. Mais franchement, ça sera vraiment cool quand il évoluera parce que lui, on l'a attendu. Hein. On veut une... C'est où les rappels? Ah, ici. À 17, vous voyez. Ça va. Voilà. Cavalerie lourde, t'inquiète pas, c'est sur Bourinos. Ça ne me fait rien. On va finir le combat comme ça, là. Hein. Hop. Cavalerie lourde, allez hop, soyons fous. Tac le lourd. Putain, il a plein d'attaques comme moi lui hein. Ce qui est normal, c'est le même Pokémon en pas évolué. Hop, normalement ça devrait faire un peu plus mal moi. Oui, c'est bon, ok. Donc du coup, Chrysapeel, tu gagnes quand même de l'XP bien entendu. 400, voilà. Ok. On va soigner Chrysapeel et on va aller refaire des combats avec lui là. Hop. Alors, une potion. Putain, je suis toujours perdue là pour trouver des trucs à chaque fois. Potion normale, je veux. J'ai pas de potion normale. Ah, j'ai des super potions. Bon, écoutez. Utilisons, on rachètera plus tard.
Ok, et là on met Chrysapile du coup en pro... Oh, il est dur en premier, c'est bon. Alors, je vais voir s'il y a un truc là. Non, il n'y a strictement rien. Le mont Ardent, c'est vraiment incroyable. Hein. Oh! Une grave avalanche d'Alola! Ultra stylé! Je trouve ça ultra stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... je trouve ça ultra stylé. Je trouve ça vraiment stylé. Attendez, je vais regarder ses faiblesses à lui, du coup, comme il est d'Alola. Alors. Alors, Gravalanche d'Alola, il est de type roche électrique. En fait, il prend le type électrique en plus. Donc, il n'aime pas le sol, le combat, l'eau et la plante. D'accord. Or, je n'ai aucun de ces trucs-là. Génial! On va faire Machouille. Ok. Oula! Et il va se tuer là, c'est ça? Ouais, bah oui, génial. Incroyable ce Gravalanche. Allez, le prochain combat, c'est le bon. Le prochain, c'est le bon. Ça fait plaisir. Ok. Allez, trouve-moi un Pokémon. Attendez, le fait que j'ai Bourinos, là, il galère à trouver. Ça doit pas aider. Mais c'est stylé les Pokémon ici, hein. On découvre un petit peu la zone du Mont Ardent, d'accord. Hop, franchement, si Chrysapine n'évolue pas, j'ai vraiment le seum. Alors, bon, il a plus beaucoup de PV, mon petit Chrysapine, mais bon. C'est pas grave. Pire, je ferai un petit rappel, là. Hop. Voilà. Très bien, un deuxième. Ouais, vas-y, concentre-toi, mais c'est bon, t'as pas encore envoyé la sauce. Allez. C'est bon, oui. Une blague. Il doit rester genre un PV pour qu'il évolue, quoi. C'est une énorme blague. Ça me fatigue, ces trucs-là, là. Ça m'a fait la même chose la dernière fois. Oh, un petit Eden. C'est mignon ça. Un petit Eden. Alors rien n'est efficace, c'est incroyable. On va directement changer de Pokémon. Vous savez quoi? De toute façon, ça va quand même lui donner des. Ça va quand même lui donner des. Voilà, l'expérience. Ok, alors. Changer clair. Donc, nous, on va directement partir sur un gros feu. Avec notre niveau 37, quand même. Ça va lui faire très mal, à mon avis. Ah, ok, pas du tout. On va faire les chouilles. Bah, heureusement qu'il résiste, hein, Félinferno. Hein. Et un dernier petit gros feu pour la route. Et là, enfin, il va évoluer. Il nous aura fallu 13 minutes pour qu'il évolue quand même. Enfin, j'espère. Sauf si on m'a dit n'importe quoi. Attention, est-ce qu'on m'a dit n'importe quoi? Vous êtes prêts? Ah! Eh bah, on est content là. Là, moi, je suis contente. Eh bien, merci à toi, abonné, qui m'a dit qu'il pouvait évoluer au Mont Ardent. C'est très gentil. Enfin! Enfin, ce Pokémon devient quelque chose d'intéressant. Parce que la Chrysapile, on n'en pouvait plus. Ah, bah ça fait plaisir, hein. Parce que là, c'est pas que Larvibule et Chrysapile, c'était pas un délire. Mais au moins, Lucanon, c'est stylé. En plus, on finit la page, incroyable. Je suis contente, je suis contente, j'espère que vous aussi. Ah, une attaque. Tonnerre, oui, bien sûr, avec plaisir. Avec grand plaisir, à la place d'étincelle, bien entendu. Ah là là. Enfin. Et ben voilà. Très bien tout ça.
On est content, on est content. On peut enfin partir de cet endroit. Bon, on n'est pas du tout allé voir le centre, mais bon, c'est pas très grave. Au pire, peut-être qu'on aura l'occasion d'y retourner. On va prendre Bruinos, du coup, vu qu'on va devoir traverser des trucs. Je suis contente, hein? Je pense que vous avez compris que j'étais contente. Ok, donc là, on va vite fait faire soigner nos Pokémon. Attendez, est-ce que je vais au bon endroit, là? Oui, c'est... Non, merci, Motisma. Donne-moi la carte, s'il te plaît, parce que moi, je suis paumée, tu sais. Il est mignon, lui. Il me parle, mais moi, j'ai pas besoin qu'on me parle, là. J'ai besoin d'avoir une carte, les gars. C'est bon. Ok. Bon, bah, c'est bien. Moi, je suis contente. Allez, oui, soignons l'équipe. Bon bah ça commence à devenir bien là. On a Goupix là qu'il faut faire évoluer en Faunard. Vous êtes content hein, que j'ai pris Goupix, ça me fait plaisir que vous soyez content. Vous avez apprécié mon choix. Après vous êtes nombreux à me dire que ma team est pas non plus ultra badass super forte et que c'est assez déséquilibré. En effet. Mais je me vois mal tout changer maintenant quoi. Et puis je me dis qu'au fur et à mesure, notamment pour un type dragon, on va avoir les dernières épreuves qui vont être pas mal pour ces... pour attraper des nouveaux Pokémon et Kaiser par exemple. Donc voilà, je me dis ça va tant que je m'en sors au fur et à mesure, c'est le plus important. Hop, on va mettre Féline Ferno en premier. Et on est parti. Oh, je vous attendais pas de sitôt les mioches. Bon les gars, puisqu'apparemment vous avez du mal contre les enfants, je vais devoir m'y coller moi-même. Ok, je t'avais prévenu pourtant que ça se passerait mal si tu touchais encore un de cheveux de mes lascars. Oui, 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 oui. Si tu veux. Alors, Apocine, la demande de la Team Skull, qu'est-ce que tu envoies? Un Nosferalto. Ok, très simple. Même pas nos stampères, quoi. Aucune originalité. Alors, on va partir sur... sur Crofeu. Cruel. Voilà. Il est brûlé, très bien. Ça, c'est génial. On repart pour Crofeu. Et je sais pas, lance-flamme. C'est un peu bête ça. Ah ben voilà, nickel, un coup critique. Génial, c'est exactement ce qu'il fallait. Lugarok 34, très bien. Éboulement. Oui, pourquoi pas. Envoie des gros rochers sur l'ennemi pour infliger des dégâts peut aussi l'apeurer. Et ton broche. Ah oui, 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 c'est. Éboulement, c'est mieux. On est d'accord. Donc on enlève... Mais quoique piège de roc ne me sert strictement à rien. Oui, bon, on va enlever piège de roc pour le moment, même si bon... À terme, on changera ton broche aussi à mon avis. Goupix 33. Un Malamandre, voulez-vous changer? Ouais, on va changer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Je vais prendre Bruinos. Je pense que c'est pas mal, là. Alors... J'aime bien Malamandre, au final. Au début, j'aimais pas. J'aimais que Tritox. Maintenant, ça va. Cavalerie lourde. Bah ouais, bah lui, il a lance-flamme, hein. Moi, je l'ai pas, mais lui, il l'a. Hein. Et en plus, ça fait mal, hein. Lui il a lance-flamme. Moi aussi je lance-flamme. Bye bye Malamandre, c'était bien sympathique. Voilà. C'était facile hein.
Je dois reconnaître que vous en avez dans le ventre. Maintenant, je comprends pourquoi Megan n'arrête pas de se faire battre par vous. Tu sais quoi? On va faire un marché. Si tu veux contrôler le Pokémon qu'on a chouré, amène-toi dans notre planque à Cocoyo. Seul notre boss a deux mots à te dire. Ah, Cocoyo, je crois que c'est le truc où... Après, j'ai peur parce que la... Alors, est-ce que vous savez, vous, où trouver cette fameuse pierre glace pour faire évoluer le Goopix? Parce que dans Soleil et Lune, elle était à cet endroit-là. Mais est-ce que dans Ultra Soleil et Ultra Lune, elle est à cet endroit-là? N'hésitez pas à me dire si vous savez où elle est dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Bon, les combats perdus d'avance, c'est vraiment pas marrant. Tout le monde va bien? Ok. Ouais, mon glouglou, il m'a envolé mon manglouton. Oh non. Pour une fois qu'ils utilisent un peu leur petite tête, il faut que ça tombe sur nous. Si j'ai bien compris, ils nous rendront manglouton seulement si Yellow va toute seule à Cocoyo. Ces vilains de la Team School ont fait de Cocoyo leur nouvelle base. J'y pense. Si tu tiens à y aller, va parler au monsieur Kimono qui se trouve sur la route 15. Il connaît un Pokémon marin qui devrait pouvoir t'aider à traverser. Dac. Tiens, en échange, tu veux bien me promettre de retrouver mon manglouton? Un super bonbon. Très bien. Ça aurait été utile pour, pour Lucano. Eh bien, on est parti pour aller à la route 15. Ah, on va peut-être soigner un petit peu juste avant. Histoire d'être 100% parfaite. Hop là! Ok, bah écoutez, ça me semble pas mal. On avance bien aujourd'hui. Puis on a Lucano quand même, attendez. Depuis le temps qu'on se trimballe Chrysapile, on en avait marre. Hein. C'est quand même plus stylé d'avoir Lucano. Hein. Maintenant, pour moi, le Pokémon un peu trop faible dans l'histoire, c'est Plumeline. Hein. Plumeline n'a pas d'utilité parce que elle a beau être de type Psy, elle a pas d'attaque Psy. Donc bon, c'est un peu relou, quoi. Et voilà, donc ouais, on verra. Remplacé par un type Dragon, moi, j'aimerais bien. Un type fée aussi, ça pourrait être cool. Le type fée est vraiment fort quand même. Donc pourquoi pas. Un petit combat? Oui. On est chaud. Top dresseur. Hello. Alola? Robert, le top dresseur, veut se battre. Gricknot. Voilà, bon, un Gricknot, hein, typiquement, ça pourrait être sympa. On va faire Dark Yarat. Tellement badass cette attaque. Ultra badass. Oh, peau dure. Oh, c'est mal. Un petit gros feu des familles. Bye bye, Gricknot! Oui, 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 je suis blessée, je sais. Ce n'est point grave. Ossature. Oui, on va changer, histoire d'XP un petit peu, par exemple, Lucano. Voyons ce que Lucano vaut. Il est beau, il est beau. Non, ça va, il rend bien. Hein. Machouille. Ok. Oula. Il n'est pas très résistant. On va faire un tonnerre, là, histoire de voir un peu l'attaque. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Hein. Ok. Et Bourinos 37. Très bien. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Alors, est-ce qu'on a oublié un truc là-bas? Non, ça me semble bon. Est-ce qu'on a des dresseurs ici? Là, c'est le mec. Tu vois là, mon kimono, c'est un puissant dresseur venu d'Unis. Ah ah! Ah, j'avais oublié ce gars-là. Tu fais le tour des îles? Existait-il vraiment des gens assez faux pour s'aventurer dans un endroit aussi reculé? Je poursuis la Team Skull. Je vois, tu as tes raisons. Sur ce, j'ai un défi à te proposer. Je vais te lancer une pièce. À toi de me dire de quel côté elle va retomber. Pile face, ni l'un ni l'autre.
Oui. Félicitations. Je comptais la lancer pour qu'un Hermure l'attrape au vol. Ah, la victoire t'appartient. En récompense, voici les données de Sharpedo pour ton appel monture. Puisse-t-il t'emmener par-delà les océans? Très bien. Merci beaucoup pour Sharpedo. Très stylé. Permets-moi de te donner un petit conseil. Lorsque tu chevauches Sharpedo, appuie sur le bouton B pour mettre le turbo et pulvériser les rochers sur ton passage. J'en profite également pour te mettre en garde. Au-delà de la route 16 se trouve la ville de Cocoyo. C'est le repère de la Team Skull. N'y va pas si tu es. N'y va que si tu es prête à en découdre. T'inquiète, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai que leur centre Pokémon, il y a un truc, je sais plus quoi. Allez, c'est parti. Oui. Sharpedo, here we go. Ah non, 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 attendez, c'est pas Sharpedo, ça. Sharpedo, s'il te plaît. Voilà. Ah d'accord, incroyable. On se retrouve bloqué face à des rochers très durs. Un écaillon. Ouais, c'est pas trop celui que je vais capturer, lui, hein, je vous avoue que... Pas fan. Je vois pas trop d'avenir avec ce Pokémon. Hop, on part. Alors, c'était ici du coup? Bah, attendez, je vais par où là en fait? Ah d'accord, il faut que je passe par là-bas. Ah, voilà. D'accord, fallait me prévenir. Attendez, ah, il y a un truc là. Une espèce d'île. Ah, il y a des combats aussi. Par contre, là, ça va être des Pokémon haut à mon avis. Donc, on va plus partir sur Lucanon. Alors. Le talent d'un surfeur se mesure à sa capacité à dominer la vague. Florian, le surfeur, veut se battre. Démenta. Putain, j'aurais kiffé qu'il envoie un shiny, genre Démenta shiny. Bah, tonnerre, hein. Surf. Oula, ça va me faire mal, ça. Ok. Bye bye, Démenta. Ah, Lucanon, tu fais plaise là. Avec ton tonnerre là, tu fais plaise, je te le dis. Très bien. Mania. On n'avait pas déjà eu ça, Mania. Une attaque furieuse qui dure 2 à 3 coups, le lanceur devient confus. Mais on avait déjà eu Mania, je crois, non? Ça me dit quelque chose. Bah non, moi j'aime tout, hein. Même vampirisme et tout. Non, 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 non. Bah je veux pas. Gardez les anciennes. Merci Florian, c'était bien sympa. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de sympathique sur cette île? Ah! Oh! Acrobatie! Faut l'apprendre à qui, ça, acrobatie? Alors, acrobatie, eh bien, ok. Le canon l'a déjà appris. Hop, en fait, ils ont rajouté ça à mon avis. Ça fait partie du nouveau jeu. Connais-tu la légende? Ouh là là, il y a des légendes et tout. Ah, ce magnifique coucher de soleil. Ok. Donc ici, il n'y a strictement rien d'intéressant. On s'en va. Hop, l'emblème là. Excusez-moi. Hop. Faut pas passer par là. Non. Ah, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon ici? Alors. Dis-moi tout. Bekipan. Non. Non, non. Bekipan, c'est pas du tout mon délire. Ouais, faut que je te soigne, Nicanon. Là, ça va pas. Ah d'accord, j'ai pas réussi à fuir. Hein. Génial. Bah je veux fuir. Me dis pas, vous n'avez pas réussi. Ah, on va
pas soigner le canon parce qu'on n'a pas non plus 50 000 potions, mais on va mettre quelqu'un d'autre devant. Genre le Garrok. Ok, alors. Eh bien, on repart avec Sharpedo, du coup. Hop. Très bien, par là. Là, j'imagine. Qui est ce Pokémon qui nous attaque ? Tentacruel. Bon. J'aime pas du tout ce Pokémon. Je pense qu'il est même pas très fort, à mon avis. Bon, j'ai même pas envie de faire un truc, en fait. Ok, allez. C'est reparti. Motus, attention, ton équipe ne semble pas être en super forme. Hello! Qu'est-ce que c'est? Oh là là, je suis bien inquiétée avec cette histoire, moi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Staros, le Pokémon mystérieux. C'est mon fidèle compagnon, mais là j'ai un souci. Il aime défier les gens du regard. Tu sais, pour voir qui tiendra le plus longtemps sans cligner des yeux. Il ne fait plus que ça depuis une semaine. J'aimerais bien rentrer, moi, mais je connais mon Staros. Seule la défaite pourra le faire partir d'ici. Oh my god. D'accord, Staros. Une bataille entre Staros et Ramelo, c'est incroyable ce moment. On va rester coincé combien d'années comme ça avec Stastatata. C'est bon, on sait que tu as gagné. Dis, tu veux pas rentrer? Ta misère, tu veux remettre ça encore? Ah, si seulement il tombait sur un Pokémon capable de le vaincre, il faudra un Pokémon qui connaisse Chatouille. Bon, alors là. D'accord, écoute, j'en connais pas. Hop, allez, faisons cette petite. En fait, je crois que c'était de l'autre côté qu'on devait aller, mais c'est bien parce qu'il y a un centre Pokémon, donc on va aller au centre Pokémon. Ophélie, la table dresseuse, veut se battre. J'aime bien là, faire des combats, ça me permet vraiment d'XP. Je pense que c'est vraiment cool pour les futurs combats qui risquent d'être rudes. On va faire Crofeu. Car je pense que sa belette est de type glace. Et en effet, c'est super efficace. Plumeline qui monte tranquillement. Spectrum, on va changer, oui. On va prendre Felinferno. Go, Felinferno. Vas-y, on va ton petit Spectrum. Et nous, on va faire Dark. Balle ombre. Ok. Et on est bon. Ça, c'est du bon boulot. Goopix qui monte un petit peu. Oh, il va apprendre Rune Protect. Ouais, non. Non, il a déjà des bons... Il a déjà des bonnes attaques, hein, Goopix. Gros doudou, oui. Changeons. On va prendre Goopix. Allez, soyons fous. On va faire un peu travailler Goopix. On va faire extra senseur. D'accord, ça ne fait rien. Mégaphone. Oulala, une attaque, ça me fait mal. Hein. Onde boréale. Ah ok. Ça servait strictement à rien d'amener le Goopix. Dans ce combat, car il est à présent KO. Allez, Brunos. Hop, on va partir sur cavalerie lourde. On arrête de rigoler. Oui, mégaphone, je sais. Ça lui fait mal, hein, en plus, mégaphone. Hein. Ça fait mal à tout le monde, là. Voilà.
Merci grosse bisous, c'était sympathique. Hop là. Ok. Bon, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, on a un centre Pokémon. Est-ce qu'il est... Ok. Ouais, parce que je sais qu'il y a un centre Pokémon qui est pris par la... Bienvenue. Oui. Hop, on va juste regarder où est-ce qu'on devait se rendre, du coup, parce que... Peut-être que c'est juste après ça, mais je pense... Enfin, on va voir. Je vais regarder la carte. Alors, ok, on est là, et en fait, on doit aller plus loin sur la route 17. D'accord, donc on va devoir continuer tout droit. En tout cas, on est arrivé à peu près au lieu où on doit aller, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode de Pokémon Ultra Soleil vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, et puis dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, moi, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain.